Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode des tutos sur Cozy Casa. On fabrique votre maison de rêve grâce à un exemple type qu'on a pris de Balitecture, une maison qu'on a vue sur internet. Voilà, donc crédit à eux si ils voient la vidéo. C'est grâce à eux qu'on a les visuels et qu'on arrive à s'en servir comme modèle. On ne copie pas, on s'en sert comme modèle et on essaye de le refaire avec ce qu'on a sur Cozy Casa pour bien comprendre tout le logiciel. Si vous nous rejoignez ici, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager pour toutes les vidéos que je fais sur la chaîne. Comme j'ai dit dans les précédents épisodes, si vous arrivez à l'épisode 10, tous les épisodes seront disponibles ici, ou à la fin de la vidéo, vous aurez l'épisode précédent que j'ai fait. Il y en a déjà 9 qui ont été faits, donc si vous voulez repartir du début pour voir comment j'ai fabriqué la maison type Bali, qui est juste exceptionnelle, et le résultat, je pense qu'à la fin, il sera incroyable avec l'extérieur et tout ça, et bien n'hésitez pas à aller voir les précédents épisodes. On est parti dans ce 10e épisode pour la suite de ces tutos sur Cozy Casa. Let's go! Alors, on va faire un petit récap pour les personnes qui arrivent en cours de route à l'épisode 10. Il y en a sûrement d'autres qui vont arriver à l'épisode 8, 5, 6, enfin peu importe. Voilà, donc on leur fait des petits récaps pour ceux qui souhaitent... voir la suite, vous pouvez avancer un peu la vidéo, c'est pas très grave. Donc petit récap, on a dans les précédents épisodes, donc là on est au 10e épisode, on a fait toute la partie mur, menuiserie, on a fait un peu la partie électricité en posant certains lustres. Ensuite on a fait la partie charpente qui était un gros du travail. Je m'avance pour vous montrer. Voilà, toute la partie charpente qui était le gros du travail. On a fait ensuite la déco avec le salon encastré dans le sol. Ensuite, on a fait toute la partie déco avec toute la table là-bas. Je vais m'avancer pareil. Donc vous pouvez voir le résultat, il est trop bien. Toute la table qu'on a mis en place nous-mêmes. On a fait toute la partie cuisine avec les plaquages, le choix du bois, le choix des poignées, etc. On a fait aussi le changement d'escalier dans les derniers épisodes. Et... ensuite on a décoré donc avec des plantes et tout, enfin voilà, le résultat est juste incroyable. On a créé le mur végétal et on en est arrivé, donc je vais monter au premier étage, et on en est arrivé à la chambre pour terminer l'intérieur de la maison. Enfin, je dis terminer l'intérieur, mais il reste la salle de bain qui est côté extérieur dans le plan type Bali. Voilà, et là on en est à ce résultat là qui est vraiment incroyable. Voilà, vous avez vu comment j'ai pu décorer, faire le choix des meubles, etc. Donc voilà, on a fait le plaquage, etc. Pareil pour faire comme en bas, choix du lit. Et voilà pour la partie récap express. Et aujourd'hui, nous allons attaquer la salle de bain, l'une des dernières pièces de la maison avant de passer à l'extérieur. Donc, on est parti, on va partir à la salle de bain. On va se mettre en 3D, choper le petit cercle, on va aller derrière parce que la salle de bain, en fait, elle est ici, elle est derrière. On va mesurer. N'hésitez pas à commenter aussi également, ça m'aidera grandement. Donc là, on a 77, on va faire un mur, une cloison. On va créer une petite cloison, donc toujours en construire, mur et cloison, cloison. Donc là, dans la logique, on serait sur l'extérieur. Je mets une cloison de 7, après ça dépend si... logiquement, vous devriez mettre un mur si on est à l'extérieur. Et c'est ce qu'on va faire. Par contre, on va pas le mettre de 30 cm, on va réduire. Mur de 15. Il va monter au plafond, le mur. Voilà, et on va faire un petit renfoncement de 90. 1 mètre, c'est bien. Alors, pour ceux qui en arrivent à ce niveau-là du tuto... j'explique plus forcément les outils puisque vous les avez vus depuis le début lors de la construction, mais je peux vous faire un mini récap. Construire, c'est tous les éléments de construction. Aménager, c'est tous les éléments meublés, aménagés. Décorer, c'est tout ce qui est peinture, etc. Et à la fin, c'est estimé. Et tous les outils qu'on utilise principalement, c'est la pipette pour les textures. On a découvert l'outil magnétique avec l'option magnétique qu'on pouvait désactiver pour mieux placer les éléments, et ici pour activer la transparence des murs. Voilà, et après c'est toujours pareil. Donc là, vous avez vu, j'ai mis séparation, cloison. On va passer le mur à 1 mètre. Hop. Une fois qu'on a passé le mur à 1 mètre, on est pas mal. On va aller choper des poutres en bois. On va faire la claustra nous-mêmes, en fait. Vous voyez, c'est hyper simple. Hein.
élément constructif. On va prendre des poutres ou des poteaux. Les poteaux, ils seront droits. Ok. On va voir si on peut gérer. Poteau bois. Hop, on va le prendre. On va aller vérifier en 3D ce que ça donne. À mon avis, il monte jusqu'en haut. Voilà. Hop, maintenant, on va se le jouer. Et voilà, la claustra en bois est faite. Vous avez vu, rien de compliqué, hyper simple. On peut même aller voir ce que eux ont fait, mais voilà, typiquement. Et après, on peut la peindre. On pourra peindre après. On place tout avant. Voilà, très très beau. Vous avez vu, c'est pas dur à faire. Une fois que c'est fait, on va placer toilette. Toilette qui passe largement. Toilette baignoire. Donc là, on va dans aménager. Salle de bain, WC d'ailleurs. Et on va, moi j'adore les WC suspendus, donc on va imaginer qu'on avait prévu dans le mur. Je préfère les WC suspendus. Et d'ailleurs les baignoires, waouh. Ça c'est des urinoirs, ok. Qu'on va choisir. Ok, on va prendre celui-là. Ok. Vous cliquez une fois sur 90. Et on place peu pile au milieu. Quasiment. Ça c'est top. Ensuite, on les peindra après, on peut choisir toutes les couleurs après, en fait, avec la partie décorée. Vous êtes tranquille sur ça. Ok, miroir, baignoire. Baignoire, ils nous ont mis une belle baignoire, arrondie, grise. Pareil, on a celle-là qui ressemble. Bon, on va mettre celle-là, elle me paraît vraiment bien. Elle est placée au niveau de la fenêtre, il me semble. Ou même un peu plus loin, s'il faut, on la modifiera, j'espère qu'on peut. Je vais vérifier. Dimension, on peut l'adapter. Faire une baignoire sur mesure. Ensuite, on va choisir un meuble salle de bain. Ok, meuble de rangement. Meuble vasque. Donc là, il y a des vasques incrustés. Je trouve pas ça. Je trouve que c'est pas le plus joli. Je préfère mettre les vasques, voilà, comme ça. C'est ce que j'avais fait chez moi d'ailleurs. On va prendre. Celui-là, il me paraît bien. Je vais vérifier en 3D si dans le bon sens. Ok, donc là maintenant on va l'adapter à nos dimensions. Hop. Et je vais aller le modifier de suite si je peux. Dimension largeur, c'est parti. On dézoome un peu. Poteau bois, hop, allez, on y va. On fait comme tout à l'heure, on va réduire la hauteur. On va mettre ça. Le meuble fait à peu près 1 mètre, on va mettre 2 mètres. Même, on va le réduire de nous-mêmes. On va faire 10 centimètres. Qu'il soit plutôt fin, même on peut faire moins 5. 5 par 5. Thank you.
Là, on peut voir que j'ai fait les deux miroirs fait maison. Qu'on va mettre en noir et eux, ils ont mis un truc. Ouais, bah, après, on va l'adapter à nous. Hein. Vous voyez, ils ont fixé en haut, ils l'ont allongé. Même le miroir, on va pouvoir l'allonger si on veut pour faire un peu plus grand. Mais on va laisser comme ça, je trouve ça bien, moi. C'est sympa les miroirs comme ça accrochés. Ils ont fait noir, blanc, on va faire peut-être. On va commencer à le décorer après. Voilà, donc là on va aller chercher des robinets. Robinet. Donc nous on veut un comme ça. D'ailleurs, on va en mettre un ici. Alors, nous on a placé le miroir très proche. Soit on déplace les vasques un peu en avant pour pouvoir positionner nos robinets. Ouais, on va avancer un peu les vasques. Mais je pense qu'en 2D, je le vois plus le robinet à cause du mur. Ce qu'on peut faire, c'est que le mur. Non, le mur, je vais pas pouvoir le bouger. Je peux pas le mettre en transparence. Vous voyez, je peux pas non plus. Donc, je suis obligé de tout faire en 3D. Voilà. 10 à l'arrière. Vérifier. Ok, c'est cool. Par contre, vous voyez le robinet, je trouve pas exceptionnel. Est-ce qu'il touche pas le miroir? Non, ça va, franchement, c'est nickel. Par contre, ça sera pas très pratique. Ok, on va dupliquer. Mettre quasiment au centre. Ok, les robinets c'est bien. Tant qu'on y est, on va mettre des serviettes. Ok, pas mal, on va pouvoir mettre bougie robinet. Bougie et robinet. Donc là on va mettre un robinet ici, on va adapter. D'ailleurs je peux prendre le même que lui. Je duplique, je le baisse. Et là on va augmenter la hauteur. Dimension. Ah, on peut pas sur cela. Vous voyez, quand c'est verrouillé on peut pas, donc vous êtes obligé de prendre un autre type de robinet. Donc là, robinet. Robinet. Est-ce qu'on peut pas prendre celui-là? Est-ce qu'on peut pas adapter la hauteur? On va voir. Ah si, celui-là on peut. Vous voyez, on peut tout faire. Hauteur, on va le passer à 1 mètre. Et largeur, profondeur, on va passer sur 20. C'est vraiment du fait maison. Là, il est tout plat. On va augmenter un peu la largeur. Ouais, mais moi j'aurais même mis une 10, un peu plutôt bien. Qu'il soit pas trop disproportionné, sinon ça fait pas joli après lors des rendus. Là, hop, on descend. Ok, on tourne. On va le placer à peu près derrière la baignoire. Et de ce côté-là, ça sera plus joli. Un mètre, c'est un peu grand, vous voyez. Hop, là, moi j'ai mis un mètre, mais c'était un peu trop. Voilà, on va passer à 90. Et hop, il va retrouver son truc normal. Ok, donc eux, ils l'ont mis de ce côté-là. Nous, on a mis un petit plateau bois. Mais là, on va faire bougie, bougeoir. On n'a pas tout à fait le même meuble, mais c'est pas déconnant. Tac. Vous voyez, là, par exemple, il déborde pas, lui. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait ça. Largeur, on l'augmente un peu. Non, pas la largeur. Profondeur. Voilà, hop. Ouais. C'est un peu mieux. Hop. On peut l'élever un petit peu parce qu'il était dessus. Ok, cool. Si je vois que ça fait pas très joli, on prendra une planche. Le robinet, on met là. On va les choper dans des bougies maintenant. Salle de bain, accessoires. Donc, il faut des bougies. Est-ce qu'il y a des bougies? Bougie, 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 bougie.
Ouais, ça c'est cool. Direct prendre tout ça. Comme ça, j'ai pas besoin de m'embêter à... tout chercher. Ça rend bien. Vérifions que ça touche. On le centre. Ok, cool. Maintenant, on chope luminaire extérieur. On peut me rajouter un petit savon. Ouais. Luminaire extérieur. Ah ben celles-là, elles sont parfaites. En plus. Alors, normalement, il faut choper le haut. Ah voilà, là on est vraiment bien. On va l'adapter, on va la grossir. Ah, on peut pas. Ah ben c'est pas grave, elles vont rester comme ça, elles seront jolies. Voilà. Là on est quasi bien. Lampe à poser, la salle de bain elle est pas mal. Le sol, on est plus sur du béton, je crois. Ah, on va aller mettre le petit détail de salle de bain, là, au niveau des WC accessoires. On va mettre le petit détail, c'est celui-là. Ok, cool. Là, on est vraiment pas mal au niveau des éléments. On peut aller vérifier qu'est-ce qu'ils nous ont rajouté. Donc, nous, on a mis le petit plateau en bois, on s'est adapté. Et là, tout est en béton au sol, puisque c'est l'extérieur. Donc, maintenant, c'est parti, on va décorer. Donc, quand on décore, on va là. Et on va dans matière et on choisit béton. Et là, on va choisir un petit béton. Je crois que c'est celui-là qu'on avait choisi. Pareil, je peux pas peindre que les façades. Non. Lui, il restera en bois, c'est pas grave. On a le rappel ici. Il me plaît pas forcément. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va aller chercher la pipette. Vous voyez, on utilise toujours la pipette. Et on va garder le même béton. Voilà, que j'ai trouvé très bien. Et pareil pour les vasques. Il faut qu'elles soient du même béton. Voilà, et là, il est bien placé. Franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Pareil, ça, si ça nous plaît pas, on l'adapte. Et du coup, on va choper la texture. Et on va dans les paramètres. Et on passe à 0. On a adapté le meuble. Voilà, c'est pas mal du tout. Hein. Pour la salle de bain, maintenant, on a un petit cadre. On va caler des plantes, donc on va créer le mur ici. Et on, là, on est en train d'entamer un peu la partie extérieure. Ah, d'ailleurs... Je n'ai pas... J'aurais dû peindre la porte de ce côté-là. Voilà, beaucoup plus joli. Je pense qu'on va s'arrêter là pour l'épisode de la salle de bain. Et comme ça, on attaque la partie de l'extérieur sur le 11e épisode en faisant le deck, la partie tech de la terrasse, comme ils ont fait à l'extérieur. Voilà, ça, sur le côté. D'ailleurs, ils ont mis un autre claustra là. Je trouve qu'on va pouvoir faire la même chose. Je trouve ça joli. Et la partie côté qui sera très très belle avec le bois, les cailloux, les plantes, etc. Et le mur avec l'aspect marbre. Comme ça, on est déjà sur, un peu sur la partie extérieure qu'on va adapter à la salle de bain. Et puis, voilà. J'espère que cet épisode sur la création de la salle de bain, donc vous avez vu la salle de bain, ça allait beaucoup plus vite parce qu'il y a beaucoup moins d'éléments, pas comme dans le salon. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner comme d'habitude. Voilà, tous les liens sont en description. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi si vous kiffez la série et les tutos sur Cozy Casa. J'espère que vous apprenez énormément de choses grâce à cette série de tutos. Et puis voilà, au prochain épisode, on enchaînera sur, comme je viens de le dire, sur la partie extérieure, finition de la salle de bain avec le mur et le début de l'extérieur. Voilà, je vous laisse ici et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!